não vai você. Super longtemps qu'on s'est pas retrouvé comme ça et tout pour vous filmer une vidéo et je vous promets, ça nous a manqué de fou malade. Oh que oui. C'est vrai que depuis qu'on a commencé YouTube, on a une vie qui est pas mal mouvementée. Il y a Clinton entre temps qui est parti au Canada et qui est revenu, donc c'était pas forcément évident de filmer en famille. Il y a mon père, c'est sa première apparition d'ailleurs sur la chaîne YouTube, donc on applaudit. Papa qui est un chef d'entreprise, mais aujourd'hui il s'est prêté au jeu à l'occasion de mon anniversaire. Et puis, cadeau d'anniversaire. Voilà, voilà, c'est un petit cadeau de sa part. Aujourd'hui c'est le 24 mai et j'ai 24 ans. On est tous réunis dans le sud, dans une somptueuse villa. Je n'aurais pas espéré meilleur cadeau que de voir toute ma famille auprès de moi pour mes 24 ans. On est super méga heureux de vous retrouver, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et notre deuxième famille. Aujourd'hui, pour cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Qu'est-ce qu'on va faire? Des gâteaux. Mais pas n'importe quel gâteau, les gars. On va faire des real cakes. On va te soucier ou pas des real cakes? Non. Donc, tu vois, moi j'explique. T'as un plat salé et tu dois reproduire, mais avec seulement des éléments sucrés. Donc, du coup, on va tenter de reproduire de manière la plus réalistique un real cake au sushi. Et j'ai une surprise pour vous, je ne vous l'ai pas dit. Donc, l'équipe qui réussira à faire au mieux un real cake sushi ira manger dans le restaurant japonais le plus en vogue de Paris. Je dois à Clinton, un restaurant à la Tour Eiffel, car il avait gagné un test de propreté. C'est là quoi, un an, quelque chose comme ça. Mais à cause du Covid, le restaurant à la Tour Eiffel était fermé. Ok, maintenant on va constituer les équipes. Papa et maman seront les chefs d'équipe. Il y a du coup les équipes des filles. Ici là, ça pue la défaite, ça pue la défaite. Donc du coup, les gagnants ne font pas de bruit. Laquelle équipe fera le meilleur real cake au sushi? Limite qu'on met un sushi et le gâteau juste à côté, qu'on pense que c'est la même chose. Est-ce l'équipe A ou l'équipe B qui va gagner et qui ira dans un magnifique restaurant japonais luxueux sur Paris? Les gagnants ici. Ok, Madame Couette, elle est bien tranquille. Elle est tellement belle cette petite. Oh là là. Ok, Sephora, de quoi avons-nous besoin pour réaliser un real cake? Alors, on a besoin de fer à doser. Un pour l'équipe A, un pour l'équipe B. Ensuite, on a besoin de ça. Je dirais pas avoir haute parce que. Ça, c'est pour nous. Voilà. On a besoin de ça pour touiller. On a besoin de ça pour faire des motifs. La pâte à sucre. On a besoin de colorant pour colorer la pâte. Farine pour gâteau. On a besoin de levure chimique pour gâteau. Mais Sephora, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a dit un truc sushi. Mais depuis lors, je ne vois pas de couleur qui a trait à mon saumon. C'est pour ça que on va mélanger. J'ai du color arôme jaune et là on a du corail. Du corail, ça se rapproche plus de la couleur des sushis. Et on pourra mélanger des couleurs ternes pour faire du noir des algues. Elle connaît, hein, elle est confiante. D'ailleurs, dans ce squad, pariez selon vous quelle équipe va gagner. Dans ce squad, à chaque fois, je vous dis. Vous savez sur qui parier. Moi, je ne vais plus parler, vous savez. L'équipe A, papa, ou l'équipe B, maman? Moi, je sais que tout le soutien me revient. Malgré que de temps en temps, je triche un peu. Un peu? Un peu? Un peu? Tu triches tout le temps? De temps en temps, je triche. Mais aujourd'hui, là, ça sera limpide, clair. Vous allez voir. Ok, dans ce squad. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais travailler sur la pâte. Donc, je me suis inspiré de quelques soucis que j'ai vus sur internet. Nous nous sommes inspirés. Oui, j'avoue, je parle trop. Ça me... Moi j'ai l'âme du petit japonais à moi. D'accord. Ça va aller bien m'inspirer. On forme un parfait duo. Vous êtes confiant alors? Très très confiant. Ok, bah montrez-moi votre savoir-faire alors. On va commencer par partir sur du tag. Donc, pour faire le sushi, j'avais une petite idée. Donc j'ai coupé un gros carré de pâte à sucre. Et pour pouvoir bien le tailler. Pour faire le riz, je vais partir sur du colorant légèrement noir pour voir la différence. Et mon père va s'occuper de faire le colorant. La victoire sera très humiliante. Vous savez pourquoi? Parce que je n'aurais même pas besoin de prendre beaucoup de choses. Mais moi j'ai pensé à ça. Tout le cortège qu'ils ont pris pour rien. On commence par couper légèrement. Donc comme ceci. Voilà. Tu mets ça. Après, je vais mettre celle-ci, mon père va chercher. Donc là, Clinton, qu'est-ce que tu fais du coup? Et les petits graphiques de riz, eh ben, je vais les tailler avec un peu de couteau. On va recouvrir le tout d'huile pour que ce soit bien plus réaliste. Vous comprenez bien? Donc vous sentez le savoir-faire, vous sentez qu'il est différent de ces villageois. Alors, qu'est-ce qui se trame ici? Tu veux que tu serais.
quand je vois les explications de l'autre côté, je me demande est-ce qu'on est à la hauteur. On dirait que c'est un tampon avec du sang. C'est Halloween ou bien c'est quoi? Donc là, le soft code, on va partir sur un exemple de sushi. S'il est bien fait, on va le reproduire plusieurs fois. Et après, on va créer des petites herbes. Depuis tout à l'heure, il se confie à la caméra, il oublie que c'est moi qui filme et que je suis dans votre équipe. Donc j'ai écouté tout ce qu'il a dit. Ce que vous faites. Maman, tu fais quoi toi? Moi, je fais des œufs. Tu vois, dans les sushis raffinés, il y a des petits œufs de caviar, tchatcha, un peu orange. Oui. On est en train de recréer ça. Oh oui, oh, j'aime beaucoup ce que je vois. Ah, t'aimes bien, hein? Madina, mais qu'est-ce que tu fais là? Madina, toi, tu travailles un peu, tu nettoies le nez, tu reviens, tu nettoies avec les mêmes doigts. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais là? Il est vendu pas ça, je peux pas avoir le papa. Mais c'était censé être des œufs, pourquoi tu les as fait fondre? Lily, tu fais quoi toi? Tu regardes ton téléphone? Ouais. Ok. Je te laisse. À toutes. Je t'aime. Oh mon bébé. Ah j'avoue. Vas-y là-bas, 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 là-bas. Non, 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 il n'y a pas de cri ici. Arrêtez, pas bien. Là, dans ce point, vous voyez là, tu vois les détails, là, tu vois les détails. Wow. Ça, c'est le premier sushi. Hein. Là, on a même pas bien fait. Hein. Ah ouais, ça, franchement, les gars, je suis épatée. C'est très joli. Moi, j'ai vraiment toujours fait ça. Toute ma vie, j'ai toujours fait ça. Parce que je vous disais pas. Faut pas te dire. Non, mais c'est vrai. Mi, tu es sûr de ton équipe? Mais tu regardes beaucoup notre équipe, là, maman. Ça les répète. Sinon, je suis confiante. Du coup, elles ont déjà fait le riz. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le saumon qui, vous savez, la fine lamelle là, du saumon qui est sur le riz. Je vais prendre la pâte à sucre rose et je vais la teindre un peu en corail pour avoir un saumon qui est un saumon de qualité, quoi. Elles sont l'inspiration de chez quelqu'un. Mais c'est pas grave, c'est l'élève ne dépasse point le maître. Ils ont les œufs, J'ai pris la mauvaise équipe. Hein. Franchement, j'ai pris la mauvaise équipe. Non, c'est la France. Moi, j'ai vu ce qu'ils ont fait là-bas, c'est dangereux. Maman, franchement, là, ce qu'on fait là, faut qu'on détecte ça. Faut vraiment qu'on détecte ça. Oh non, en retard, on est en retard. J'aime ce que je vois. J'aime ça. C'est à cause, c'est grâce à moi. Voilà, c'est quoi, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'humidifier la pâte parce que elle, l'erreur qu'elles ont faite, c'est que quand elles étaient en train de cuisiner la pâte, elles ont fait ça sur ça sans même mettre de l'huile. Ça veut dire que quand elles ont tiré ça à coller. Donc avant de faire, faut toujours l'humidifier, comme ça il est beaucoup plus souple et beaucoup plus prenable. Ah mon fils, je suis trop fier de toi. Visage de sorcière. C'est comment elle galère? Elle galère pas à faire des avocats. Allez, fumez plus. Oh, pauvre enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Qui va manger ça? Bah non. Ça, c'est du saumon. Ça fait vraiment saumon en plus. Hein. Arrête. Ça, c'est du saumon? Bah oui, c'est bien. C'est hyper bien fait. Coco. Aïe, aïe, ma fille. Là, ça craint. Hein. J'espère que tes abonnés vont bien juger. Hein. Yoko, vas-y. Ah, ok. Elle est désespérée, ça y est, ça sent la défaite. J'ai trop bien travaillé, je suis fatiguée, je ne suis pas désespérée. Ça sent la défaite. Non mais c'est beau, hein. Oui, c'est beau, it's giving. Ça donne. Mais je veux juste nous déstabiliser, sinon ça donne, it's giving. Hein. Là, je vais faire des sashimi. Toi, là, bizarrement, tu fais des sashimi. Hein. Quand on a des sashimi, tu fais aussi. Ça fait comment tu es? Copieur. Ok, donc là, les gars, je vais faire quelque chose que j'aime trop manger au japonais. C'est les brochettes bœuf fromage. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez trop manger ça. Donc pour ça, je vais prendre un colorant qui est marron comme ça, avec de la pâte à sucre blanche que je vais tremper dedans pour que ce soit du coup marron. Et après, je vais y insérer de la pâte à sucre blanche pour faire le côté fromage. Et après, je vais le faire percer par un bâton pour faire la brochette bœuf fromage. On y go. Hâte de voir le résultat final. C'est la fin que je suis les moyens, vous allez voir. Là, je fais le fromage que je mets dans le bœuf. Oh, c'était pas un. Je vais couper après les extrémités. Je suis désolé, je vis au Congo, ça c'est du manioc. On dirait un doigt dans un pansement qui saigne. Bah, je fais un gâteau brownie au pire. En fait, c'est ça, hein, tu vois, quand tu veux tricher, eh ben, on finit toujours par te gratter. On a triché, on a triché qui? Déjà, regardez comment vous avez foutu, excusez-moi, le bordel. Et nous, regardez notre côté, comment c'est propre. Oh, regarde, rien que ça déjà, notez-nous sur ça. Regarde comment c'est propre, et chez vous? On dirait une scène de crime. Ouais. Ah, qui ça? On a trop travaillé. Jérusalem. Non, ah bon, t'es sûr? Tout ce travail, c'est ça. C'est normal, ça.
Ok guys, time is over. On va du coup découvrir les plats. Qui a fait les ryokake sushi les plus réalistes? Moi je pense que c'est mon équipe qui a gagné. Les notes sont très 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 réelles. Dans le détail et tout, on a pensé à des choses, etc. Donc vous devez noter le réalisme, la créativité. Les chefs d'équipe, je vais vous voir avec le résultat de votre équipe. À 3, vous nous montrez ce que vous avez fait pendant près de 1 heure. 3, 2, 1, tada! Vous pouvez nous présenter ce que vous avez fait, s'il vous plaît? Alors, Lost Squad, ici nous avons un sushi au saumon. Donc, vous voyez bien, c'est très important de regarder les détails. On a fait un semblant de riz. Donc, vous voyez, on a pris un petit couteau pour faire des petits pics. Et la forme même. Et je vais même vous montrer une photo à l'appui. Sur cette photo, on voit un peu les détails. C'est une forme un peu bombée là. Voilà. Et pour ça, c'est en fait des feuilles d'algues recouvertes d'avocat et d'un peu de sauce wasabi. Êtes-vous fier de votre création? Ah, ben complètement. Et le gagnant final, c'est qui? Et notre plat, il est magnifique. Alors, nous avons du wasabi qui n'est pas blanc comme eux. Nos tranches de sashimi de saumon de Norvège, hein, pêché dans la mer Atlantique. On est généreux en tranches de riz, en morceaux de riz. Hein. On sait que nos clients, ils aiment bien nos plats. Alors, avec du wasabi à côté, un peu de sauce... soja, sans oublier les œufs, les roulés. Quel détail! Regardez les roulés avec un peu d'avocat. Les détails. J'aime pas du sucré, on dirait grave du salé. Mmh. On dirait grave du salé. Mmh. Franchement, les trucs sont trop bien. Ça a été recouvert de sauce un peu pimentée. Vous voyez la sauce qu'on a souvent là? Oui, la sauce chinoise. Ouais, voilà. Là, la sauce quoi? Ça, c'est l'équipe rose en train de préparer. Regardez. Ok, guys, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment que notre petit retour vous a plu. Ne vous en faites pas, il y aura encore beaucoup de vidéos familiales qui vont arriver parce que même moi, franchement, ça nous a trop, enfin, même nous, ça nous a trop manqué. Ah, c'est le combat! Même là, quand on a filmé, je vous jure, hein, c'est pas pour faire semblant bien quoi. Hein. On était vraiment contents de filmer, de voir que voilà, on est ensemble, on a filmé. Donc, merci de continuer à nous suivre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. En commentaire, bien évidemment, dites-nous quelle équipe a gagné, l'équipe A ou l'équipe B. Moi, je dis que c'est notre équipe. Hein. La Sun Squad, vous savez nous, très bien. Nous, on a fait plus de choses. Donc, si vous voulez une autre vidéo avec moi, votez pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre respectivement sur notre compte Instagram. Le compte Instagram de Clinton. Clinton.Duval-Lawson. Papa, c'est JBL.Lawson. Du coup, il ne connaît pas. Moi, c'est Lawson Pedola. Maman, c'est Marquise. Marquise Ney. Bisous. Bisous. Love you guys. C'est l'équipe rose. À la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures.